Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, donc là, vous faites hop, vous vous abonnez, tac, voilà. Donc vous faites pareil pour Snap, Insta et tout le reste. Donc voilà. Donc on se dit, je vous souhaite bonne vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Zombie apocalypse. Eh bien salut à tous, c'est Zebra Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour la dernière mission du yacht qui est jour J. Donc on va se la faire en difficile. Je pense qu'il y a moyen qu'on en bave. Déjà la cinquième était déjà pas mal, alors la sixième je pense qu'on va s'amuser. Donc on va se faire ça, on va voir. Si vraiment elle est trop difficile ou je galère à un certain moment, je ferai quelques coupures si nécessaire. Mais sinon, je la laisserai en entière et puis voilà quoi. De toute façon, moi je dis aucune mission n'est impossible. J'ai déjà réussi l'acte 3, fin du monde à 2, alors je pense pas que ça va me faire autant chier. Je pense pas. Après, faut se méfier. On sait jamais. Allez. Looks like we put this rivalry to bed. The head honcho of that money laundering outfit we've been scrapping with is on some mega secure yacht not far from here. And I found us a sub we can use to dip under his defenses. Head over there and get it. We're going down under, so to speak. Ah, on est dans le sous-marin. Est-ce que c'est gros? Je pense pas que ça va être un gros sous-marin, je pense que ça va être le petit, à mon avis. Ça se rend ou pas? Ouais, c'est le Kraken, ouais, c'est le petit, c'est dommage. J'aurais tellement voulu avoir le sous-marin de l'acte 2 de Bogdan. Just because they don't know you're coming doesn't mean this is going to be easy. They're really dug in, so you can expect mines once you reach the critical depth. Just take it slow. Sortir vite fait de la zone. J'aurais pu nous mettre la Stromberg, franchement ça aurait été mieux. Imagine the look on all your rich pals' faces when you tell them this is how you spend your time. Most of them just use their yachts for sex pun. Avec toutes les 5 premières, on s'est déjà fait 115 000 ans. J'ai fait exprès de partir et de pas mettre tout sur le compte pour vous faire voir. C'est déjà pas mal, hein. Ah ok, que non, je pense qu'on s'est fait même plus parce que je crois que si sur finalement, je crois que j'en ai mis en compte. Ouais, bon, de toute façon, il faut calculer. Généralement, en moyenne, on fait 35 000, donc 35 000, 35, 70, 90. Ouais, on s'est fait pas loin de 300 000 quoi. Après, peut-être ça, elle va payer plus cher. Vu que c'est la dernière, alors je commence censé être la plus dure et la plus chère. Ce qui serait terrible, c'est ce qu'on puisse faire couler les yachts dans le mode histoire. Enfin, dans le mode online, là, en mission. Hein.
Alors on doit poser les bombes c'est sous le bateau, se barrer, le faire sauter, ça serait terrible. Réussi. Ouais, je crois qu'on a gagné encore même moins. Ouais, on a gagné encore moins d'RP. Hein. Pourtant, elle était difficile la mission. Ah, bah, couillon. Bon, après, on va peut-être gagner de l'argent après. On va attendre de respawn.
toute façon, heureusement, je suis en invitation, donc ça va être plus rapide. Mais bon. Franchement, j'en suis un peu déçu de la sixième, franchement. Le porte-avions sont une opportunité en or pour les entreprises qui ne craignent pas de leur industrie et un grand nombre de marchandises. On vous donne la fin, à vous de trouver les moyens. Attaquer un porte-avions dans une nouvelle guerre commerciale, maintenant disponible en mode libre. Ah! Je pense que on pourrait en faire une vidéo. Aussi, hein. Le mec qui fait des vidéos sur tout sur GTA, quoi. Ouais. Bah après, c'est un porte-avions, c'est pas rien quand même. Bah après, il faut aller en session sur invitation. Voilà. Et bien voilà, donc on a enfin fini les 6 missions du yacht, hein, qui sont sorties également, qui sont sorties mardi. Hein. Donc voilà, bon sur ce, si vous avez aimé la série qui est sortie, n'hésitez pas à liker. Well, boss, I'd say your captain's training is complete. Top marks, best in class. And to mark your graduation from the Brendan Darcy Naval Academy, I've left a little something for you in your wardrobe. Trust me, you might as well throw away all that other stuff you wear. Now, life out here being what it is, I'll still have the occasional bit of business to do in future. So don't be a stranger.